Salut à tous, je vais vous parler de la division ou de la multiplication aujourd'hui des pinculas tempérées européennes. Je vais remettre un petit point sur les différences entre les pinguiculas parce que ça a l'air un peu confus encore dans le milieu carnivore. Nous avons deux grands groupes. Nous avons les pinguiculas qu'on classe européennes tempérées, donc qui ont besoin de froid, qui poussent dans les montagnes, et on en a sur le territoire français, Italie, Espagne et toute l'Europe entre guillemets. Ce sont des plantes qui rentrent en dormance en hibernacle l'hiver. Donc feuillage qui disparaît complètement et qui sont habitués à avoir des températures moins 15, moins 20 sans problème. Après, tout dépend de la localité précise de certaines plantes parce que nous avons certaines plantes qui font des hibernacles mais qui auront besoin peut-être d'une situation plus hors gel. Je pense plus à ceux qui sont situés sur l'Espagne. Donc voilà, c'est bien la différence. Ce sont des plantes qui font des hibernacles avec un bulbe. Et nous avons l'autre catégorie, ce sont les pinguiculas mexicaines qui, eux, rentrent en dormance. Attention, entre guillemets, c'est une adaptation du climat. C'est les pinguiculas mexicaines qui ont la plante qui reste à l'état végétatif, si je puis dire, mais qui stoppe complètement la croissance. Donc en général, les pinguiculas là, elles rétrécissent, mais ça reste sous état de plante. Donc, pour continuer un petit peu dans cette description, nous avons deux types de plantes, en gros, nous avons deux types de plantes de pinguiculas tempérées européennes. Nous avons les plantes qui ont besoin d'un substrat hyper calcaire et un substrat un petit peu plus acide. Donc, je vais vous montrer tout ça en images. Je vais vous montrer comment on réalise la multiplication des pinguiculas tempérées européennes avec leurs bulbilles. C'est les bulbilles. C'est une fois dans l'année, c'est à ce moment-là. L'hiver, les bulbilles ont grossi autour du bulbe principal et on les fait vers février-mars, juste avant la reprise. Attention, juste avant la reprise, parce que quand on perturbe une plante en pleine croissance comme ça, qui est en plein redémarrage, évitons de la toucher. Donc faisons ça sur une période de dormance. C'est une plante, ce sont des plantes qui ne se multiplient absolument pas par le feuillage, et l'autre moyen c'est le semis. Ce qui est complètement différent de ses voisines mexicaines, eux se bouturent par le feuillage, c'est du bouture de feuilles et semis, c'est bien la différence des deux. Donc pour conclure un petit peu là-dessus, les substrats utilisés pour moi, faut bien réfléchir ces plantes là où elles se trouvent in situ. Donc, nous avons une catégorie que l'on peut trouver sur les tourbières et une catégorie qui va pousser extrêmement sur les parois rocheuses calcaires de montagne. Si on ne les trouve pas en prairie, quoi qu'il peut y avoir des prairies calcaires, mais voilà, déjà, il faut bien penser à ça. Pinguicula, Grandiflora, Vulgaris, ce sont des plantes qui se trouvent des fois sur 100% tourbe. Moi, je les ai vus ici sur 100% tourbe. Et après, un petit peu plus en détail, les choses calcaires, ça va être les Longifolia qui, maintenant, ne sont plus un très grand groupe, vu que Dertosensis, Cosensis et compagnie sont passés des espèces entières. Et nous en avons encore une bonne panoplie comme ça. Donc, quand on va se rapprocher des plantes qui sont plus du milieu acide. Donc sur ce point-là, vous pouvez regarder le site pinguicula.org. Pinguicula.org, le site où c'est Eric Patra qui a donné des renseignements. En général, chaque pingucula a son pH de substrat qu'il a besoin.
Serge, c'est pareil, il a fait une grille avec l'article Dionée, où c'est que les plantes sont classées pour les plantes qui sont dans le calcaire et les plantes qui sont dans la tourbe. Moi, pour moi, personnellement, maintenant, j'utilise plus que ça. Je vais vous dire, c'est chaque substrat a trois composants. Le premier, acide. Donc, c'est un tiers de tourbe, un tiers de sable et un tiers de vermiculite. Et le deuxième substrat pour ces plantes calcaires, c'est une part de litière de chat. Donc, hein, la litière de chat, comme on me le demande régulièrement, c'est pareil, il faut de l'argile. Premier prix, hein, dessus, c'est marqué argile naturelle. Donc, pour les plantes qui ont besoin de plus de calcaire, pour moi, le substrat, c'est un tiers de litière, un tiers de sable, un tiers de perlite. Bon, je vais quand même vous faire la petite description. Voilà, on voit la tourbe ici. La tourbe, la vermiculite, le sable. Et je suis en train de tester, suite à quelques petits conseils de Serge, légèrement une petite poignée de litière de chat pour rendre un peu moins la tourbe agressive dans le substrat pour les pungulas. Voilà, c'est un test, on va voir si on voit une différence. Sinon, on repartira sur un substrat classique. Donc, évidemment, tout ça, vous le mélangez. Voilà, quand on le mélange, hein, les granulés de litière de chat, ça représente vraiment pas grand-chose. Mais surtout, vous le mouillez. Donc, il n'y a pas besoin de verser des litres et des litres. Hein, comme on est déjà extrêmement sableux, la moindre goutte d'eau va humidifier au maximum votre substrat. On peut voir, j'espère que le réglage va se faire. Donc voilà une pincula en dormance. Donc on voit bien les petits l'hibernacle principal qui est au milieu, et tout autour nous avons des petits, voilà, des petites écailles. Donc voilà, j'espère que vous voyez bien, le réglage n'est pas terrible, mais vous voyez sur mon doigt, ça c'est un bulbille de pincula, simplement au bout de l'hibernacle. Et il suffit de remettre ça voilà, dans un substrat pour donner naissance à une nouvelle pincula. Par contre, cette pincula-là aura besoin quand même d'une année supplémentaire pour fleurir. Voilà pour la suite, hein, on n'a pas besoin de vous montrer. Voilà, le petit bulbille est remis au centre d'un petit godet. On peut replacer ça directement qu'audition naturelle de la plante, votre culture de plante, hein. On ne met surtout pas des bulbilles à la chaleur pour les accélérer. C'est inutile, ça va sortir au moment de mars-avril. Les pinculas sont extrêmement rapides à la sortie, donc il n'y a pas besoin d'accélérer, il n'y a pas besoin de mettre à chaud parce que on va se dire, bah, ça va peut-être accélérer la multiplication, avoir une croissance. Non. Si vous mettez à la chaleur, une pincula qui va sortir plus vite que prévu va rentrer en dormance plus vite que prévu. C'est tout à fait logique. Les pinculas européennes ont un certain nombre de mois de croissance et pas plus. On ne peut pas prolonger la vie d'une pincula. Enfin, la vie d'une pincula, la croissance d'une pincula qui est programmée de quelques mois. C'est pour vous faire un petit peu le schéma, c'est comme quand vous allez voir des tulipes ou des narcisses. Les plantes vont fleurir, bon, c'est beaucoup plus réduit en temps, mais les plantes vont fleurir, après la fleur fane, et après vous avez un feuillage de la tulipe ou de la narcisse. Et ce feuillage-là, au bout d'un moment, juste au moment de rentrer en été, va sécher et passer le reste de sa vie sous l'hibernacle, sous le bulbe, pardon. Donc c'est exactement pareil pour les pinculas. Les pinculas, dès qu'elles partent, vous pouvez compter le nombre de mois. Au bout de ce nombre de mois, c'est entrage en dormance. Donc c'est pour ça que des fois, ça dépend où c'est que vous êtes. Ça dépend où vous cultivez ces plantes-là. Moi, en serre, elles démarrent extrêmement vite. Là, elles sont en train de sortir. Il y en a quelques espèces qui sont déjà en train d'éclater. Donc je vais avoir les fleurs, ça va vous étonner, mais j'aurai les fleurs, voilà, mi-mars, fin mars, je ne sais pas trop. Mais je suis le premier bien souvent à montrer les fleurs, mais le problème c'est que je suis bien souvent le premier à avoir les pinculas de ma serre qui rentrent en dormance. Donc c'est pour ça que des fois on se dit, bah, comment ça se fait, la pincula rentre déjà en dormance alors que l'année n'est pas finie, elle a eu trop chaud. Non,
C'est tout simplement ce phénomène-là. C'est un phénomène tout à fait naturel. Il y a tant de mois pour la croissance de la pincula tempérée européenne. Et donc, vous replacez ça avec vos pieds-mères, tout simplement, hein, même si ça continue de geler, évitez simplement. On va peut-être éviter, parce que moi, j'enterre pas les bulbilles, hein, je les pose comme ça à peine. Bon, après, il faut la pointe vers le haut. Moi, je les pose comme ça, simplement, je m'occupe même pas du sens. Ça arrive toujours à se tordre et à retrouver le sens de la lumière, quoi. Mais je me dis que dans la nature, il n'y a personne pour planter la petite pointe en haut. Donc, je les replace, là ils vont être replacés en serre. Faites peut-être très attention quand on fait une division de bulbilles, c'est les pluies qui peuvent être les grosses pluies, hein. Les grosses pluies peuvent des fois vous les faire éjecter du pot, voilà. Alors que on va se dire oui mais il pleut dehors, non il pleut pas, il pleut dans le milieu naturel, d'accord, mais la bulbille elle va peut-être pas forcément pousser à l'endroit précis où elle sera tombée un mois avant, hein, elle va peut-être être décalée avec les pluies et tout ça, ce qu'il faut éviter exactement pour vos pots, pour pas que bah, la bulbille se retrouve, se ne trouve plus dans le pot, elle soit partie plus loin, elle soit partie à côté, voilà, dans la soucoupe et compagnie. Donc voilà, c'est juste, faites très attention à la protection de la pluie, hein, c'est voilà, c'est ce que je vous dis, c'est pas nocif, c'est pas voilà, c'est juste personnel pour que vous retrouviez bien la plante pile au milieu du pot au moment de sa sortie. Donc voilà, je conclue là-dessus. Donc voilà, c'est des plantes plus ou moins faciles, hein, si je puis dire, parce que c'est des plantes voilà qui sont un petit peu délicates. C'est surtout à maintenir l'été. L'été, il leur faut du frais. Donc en général, voilà, c'est des plantes qu'on trouve en bordure du ruisseau, dans les montagnes, dans les forêts. Voilà, c'est plus au frais. Ce qui est des fois délicat pour nous, c'est de recréer cette fraîcheur. Hein, bien souvent, quand on est dans des situations de plaine ou même de sud de la France, c'est vraiment un point délicat, c'est essayer de leur trouver une zone extérieure qui sera le plus frais possible. Hein. On va pas s'amuser à se dire... Qu'est-ce que je fais? Je la mets au soleil pour qu'elle ait un petit peu plus de couleur, un petit soleil le matin, une heure ou deux, ou... Non, évitez au maximum, quand nous sommes en plaine et que nous ne sommes pas à 1000 mètres d'altitude, évitez de mettre les pinculas en plein soleil, hein. C'est franchement, bon, à part Grandiflora qui supporte plus ou moins si elle est dans une tourbière assez volumineuse, mais les autres pinculas européennes, vous en avez qui sont extrêmement fragiles à la chaleur, hein. C'est pour ça que je vais revenir aussi sur le niveau d'eau. Le niveau d'eau, vous avez des les pinculas, bien souvent, on les voit, elles sont cultivées avec le pot complètement dans l'eau. Hein. L'eau quasiment à ras de la plante. En fait, c'est pas une histoire de niveau d'eau. Les niveaux d'eau, ça n'existe pas dans le milieu naturel, un niveau d'eau pareil. L'eau ruisselle et tout ça. En fait, on met le plus d'eau possible, c'est logiquement, c'est juste pour créer le plus possible d'hygrométrie et de fraîcheur au niveau du pot. Hein, vous imaginez bien qu'un pot qui est complètement dans l'eau sera beaucoup plus frais qu'un pot qui est à moitié dans l'eau. Hein, la partie qui sera en dehors de l'eau va prendre la chaleur, c'est automatique. Donc c'est pour ça en fait, c'est pour ça qu'il y a des niveaux d'eau qui sont plus hauts. Hein, c'est pareil pour Darlingtonia, on monte le niveau. C'est pas forcément parce que les plantes sont comme ça dans la nature, c'est parce que c'est un effet de fraîcheur. Et dans la nature, c'est exactement à l'identique. Hein, c'est les niveaux d'eau, on me demande régulièrement, il faut le niveau d'eau comment? Deux tiers du pot, la moitié du pot, dans la soucoupe. Ta hauteur d'eau fait la fraîcheur de ton substrat. C'est pour ça qu'on met le niveau d'eau extrêmement haut et faut pas s'inquiéter. C'est des pinculas, enfin même des plantes carnivores, c'est des plantes qui poussent dans les milieux hyper humides. C'est pour ça, faut pas s'inquiéter avec l'eau. L'eau pour les carnivores, c'est des plantes de milieux humides. Donc il y a des variances, il y a des grandes pluies, bah, la tourbière est saturée, il y a des mois où il pleut pas, ça redescend légèrement, voilà, c'est, il y a des variations, mais les plantes carnivores poussent dans des milieux hyper détrempés, quoi. C'est ça qu'il faut se penser. Donc il faut plus penser à mettre la soucoupe qui fait 2 cm avec un pot qui fait 25 au-dessus, ça n'a aucun sens. Il faut vraiment que le substrat soit détrempé au maximum. Donc voilà, je conclue là-dessus, je ne vais pas repartir sur un autre chapitre. Donc, j'espère que la petite division pour Pincula européenne vous aura apporté des informations pour vous les multiplier.
En attendant, portez-vous bien, les lives vont revenir, les pincula européennes vont revenir sur le site hein, pour le 1er avril. On me demande régulièrement en ce moment, les plantes arrivent le 1er avril. Donc ceux-là seront dessus, les européennes. Donc sur ce, je conclue et je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.